Alors, ensemble, dit merci au Seigneur qui confond nos ennemis. Ensemble, prions le Seigneur. Nous disons merci au Seigneur. On ouvre la bouche, on parle au Seigneur. On ouvre la bouche. Chacun dit merci au Seigneur pour la victoire qu'il nous donne sur les œuvres du diable. Pour la victoire qu'il nous donne sur les œuvres de nos ennemis, sur les œuvres de la sorcellerie. Nous disons merci au Seigneur. Nous disons ensemble merci au Seigneur. Tout le monde prie, tout le monde prie. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Notre Dieu, au nom de Jésus, nous te bénissons. Merci pour ta grâce que tu as pour nous. Merci, Seigneur, notre Dieu, d'avoir été jamais en notre Dieu. Merci, notre Dieu, pour ta grâce et nous. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. On s'assoit. Tu as quelqu'un, tu es béni. Amen. Nous allons faire une offrande pour aider le soutenir le ministère du pasteur. Amen. Nous allons nous tenir debout et faire une offrande pour soutenir le ministère du pasteur. Qui peut donner un chant? Agua cuño, agua cuño, Jésus ni moi. Agua cuño, agua cuño, on attache le diable. Agua cuño, Jésus ni moi. Agua cuño, Jésus ni moi. Ni moi, ni moi, ni moi. Ni moi, ni moi, ni moi. Agua cuño, Jésus ni moi. Agua cuñole, la bañe mua, agua cuñole, agua Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Madame, ma soeur, plutôt ma fille, celle qui est au mur là, tiens, donne ça à ton bébé. Quand tu es tombé tout à l'heure, je vois un enfant en train de crier. C'est mon tout dernier album. C'est même pas un DVD, c'est l'ensemble de mes morceaux. Voilà. Oui, si c'est à toi, c'est à toi. Il ne savait pas où se trouvait le petit, il a commencé à avoir peur. Secours ma maman. Amen. Voilà, c'est un CD qui est sorti, ça fait maintenant 2 semaines. Voilà, les clips vidéo passent constamment sur la chaîne des réseaux ivoiriens, sur la 1 et la 2. Nous avons décidé de faire sortir l'album. Voilà, amen. Voilà, l'album est disponible, les CD. Vous pouvez voir, n'est-ce pas, le frère qui tient la caméra. Amen. Voilà, que vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, les annonces. Nous sommes venus précipitamment sur le Maroc parce que Dieu voulait que quelque chose soit organisé au Maroc. Vous savez, notre ministère au niveau de la Côte d'Ivoire,
D'ailleurs, nous sommes suivis par 62 pays, dans 68 pays dans le monde. Nous combattons la sorcellerie. Chaque homme de Dieu a sa grâce. La grâce que Dieu nous a donnée, c'est de combattre la présence de la sorcellerie et de permettre à nos bien-aimés de venir tranquillement en Afrique. Il ne faudrait pas qu'il ait peur de l'Afrique. Amen. Or, la stratégie de Satan, c'est d'amener les gens à avoir peur de l'Afrique. Quand je vois les gens disent vous venez au Canada, on va vous donner du travail, vous passez chez eux là-bas chômeur. Hein? Si. On vous demande, il y a des chômeurs chez eux. Oui. Il y a des chômeurs, c'est sans emploi chez eux. Ah, ça vous suffira. Et puis selon les intellectuels, ils veulent prendre, envoyez, venez, vous avez tel diplôme, venez, on vous donner emploi. Or chez eux, il y a des chômeurs. Amen. Amen. Les gens veulent prendre nos gars ici, ceux qui sont intellectuels. Les fermer là-bas, ils vont voir l'Afrique comme quelque chose de bizarre. Or, notre combat, c'est de permettre à ces personnes de venir librement s'investir au niveau de l'Afrique. C'est notre combat. Or, Dieu nous a demandé de faire de temps en temps des retraites au niveau du Maroc. Et la prochaine retraite, c'est vrai, cette fois-ci, ça a été vraiment brusque, il faut le dire. Il y a plus d'une centaine de personnes auxquelles j'ai refusé le visa parce que c'était vraiment brusque. Donc, j'explique aux gens. La prochaine était, si vous voulez venir, ne dites pas, on va une croisade de prière, vous interdit. Parce que ici, dans le fond, c'est vraiment interdit d'avoir des oui, des prières. Ça, c'est vraiment interdit. Mais ici, moi, je vous vois, à Rabat, c'est un peu libre par rapport à Casa. Casa, c'est encore difficile. Casa, on ne chasse pas des démons. On ne fait pas de délivrance. Donc, j'ai fait un premier programme chez un pasteur. La deuxième programme, c'était dans une salle, une grande salle, il y avait assez de monde. Ils sont venus me chuchoter. Ils ont dit, non, si tu viens, il faut enseigner, pas chasser des démons. Je dis, moi, je ne viens pas là-bas. Dans un endroit où il n'y a pas chassé des démons, ce n'est pas la peine de m'inviter. Amen. Donc ici, nous, je suis beaucoup régi parce qu'on a possibilité de prier, de chasser les démons. Donc nous sommes là justement pour préparer une retraite. Merci pour ceux qui sont venus un peu de la France. Vous avez des filles qui sont venues de la France. Amen. Donc la prochaine retraite, j'annonce la prochaine retraite, c'est à partir du 9 au 19 juillet. Le 9 au 19 juillet, nous serons encore ici à Rabat avec encore une autre délégation, une fois délégation, pour soutenir tout le monde parce qu'il faudrait que vous soyez bénis. Ça, c'est important. Amen. Si tu es des Dieu, il faut que tu répares l'argent de Dieu. À Dieu, oui, amen. Amen. Voilà, pour montrer aux sorciers de Dieu, qui ne sont rien. Amen. Tu vas les construire à Dieu, oui, dans ton village. Amen. Tu vas venir en Côte d'Ivoire, tu vas construire Villa, la Riviera, tout ça. Amen. Oui, ils veulent ou pas, c'est toi qui dois prospérer. Amen. Et ils vous guettent parce qu'ils savent que c'est à vous qui appartient le trône. Amen. Or, celui à qui appartient le trône est beaucoup guetté par les gens. Amen. Amen. Voilà, donc vous nous c'est une manière d'aider les gens. Nous allons nous déplacer depuis la Côte d'Ivoire, venir ici avec une délégation, afin de soutenir tout le monde en prière. Amen. Amen. C'est du 9 au 19. Au 9 au 19 juillet. Vous avez le contact du frère Guéraud. Guéraud Paul, c'est 00212. Aujourd'hui, même j'étais avec lui et puis une dame qui a appelé d'Angleterre. Et elle m'a signifié qu'elle est musulmane. Aider les musulmanes. Mais elle croit à notre prière qu'elle viendra pour chercher, c'est pas délivré. Ok, donc de zéro, parce que les gens par moi ont peur. Quand ils voient la Bible, hein, allez à Divo. Il y a un monsieur qui dit, mais tu sais, depuis que tu es arrivé à Divo, ça, je suis content, mais quand on dit Saroko, c'est vrai que tu es là-bas, mais nous on voit sortir partout. Oui. Les gens ont peur, quand on parle de village, ça les fait peur. Amen. Quand ils descendent à l'aéroport d'Abidjan, ils voient sortir partout. Ouais, ils voient sortir partout. Donc, il faut quand même encourager ces personnes à revenir. Et ça, c'est important. Il faut leur enseigner que Jésus-Christ est au-dessus de la sorcellerie. Jésus est plus puissant que tout ça. Amen. Amen. Voilà, 00-212-664-81-48-92. Je reprends. 00-212-64-81-48-92. 00-212-64-81-48-92. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de recevoir certaines personnes. C'est ce qu'on appelle un entretien. On aura l'occasion de causer avec vous. Je vais prendre mon temps pour vous écouter. Et puis, si possible, vous donner une orientation de Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. Amen. Sur ce, je laisse le pasteur. Voilà, le pasteur. Le programme, Pasteur Prophète, il va commencer à appeler